Tous les jeunes gens, à un moment donné, ont une guitare et grattent leur guitare. Et en général, c'est pas très bon. Ce qui fait que ça se voit très très vite quand on tombe sur quelqu'un qui a du talent. C'était un peu évident, quoi. Il avait une passion pour cette guitare depuis toujours. Il travaillait tellement, il écoutait tellement de disques, il reproduisait tellement de chorus. Moi, quand je l'ai rencontré, c'était déjà un guitariste très... impressionnant par son jeu, très influencé par Jimi Hendrix. Dès le moment où je suis tombé sur lui, c'est vrai que c'est devenu... il a réussi à me faire rêver encore plus, il a réussi à me motiver pour aller peut-être un peu plus loin. Un premier disque, ça a déjà tous ses avantages, qui est une fraîcheur absolue. Il n'y a effectivement absolument pas de questions à se poser, parce que déjà, personne ne t'attend, donc quelque part, c'est... personnel comme démarche, quoi. T'as juste envie de lâcher plein de choses et voilà, c'est une excitation incroyable et puis c'est surtout un regroupement de plein de gens très proches, quoi. Et donc ça s'est toujours passé au Labo M. Je crois qu'effectivement pour moi ça a été un symbole comme ça tout d'un coup d'indépendance, quoi, de pouvoir faire des choses sans spécialement être dépendant d'un chanteur, d'un groupe, de quoi que ce soit. C'était vraiment mon petit bateau que je commençais à construire, qui était vraiment une barque, quoi, quelque chose de pas très solide. Quand même passé un mois ensemble pour faire cet album, donc c'était assez... C'est-à-dire que lui gérait vraiment le côté musical, il voulait être quand même assez seul pour faire ses prises, et puis moi, en même temps, j'écoutais, je donnais mon avis, j'avais telle idée de rajouter tel son, je travaillais dans un petit studio à côté pour faire des sons, on les mixait en direct. Reste là, les autres. Gaël. Je veux bien qu'il me montre les voix. Plus ? Ouais, parce que je m'entends pas très bien. Quand je regarde cet album aujourd'hui, c'est vrai que c'est comme une photo de 1995 ou même 96. C'est-à-dire que il y a ses bons côtés, il y a ses défauts, il y a le côté ingrat, il y a le côté... en même temps, ça rappelle un état d'esprit, ça rappelle une fraîcheur. Quand on a fait l'enregistrement, moi qui aime bien faire la bouffe, j'ai fait femme de ménage, cuisine, j'apportais le thé, je faisais tout ça et en même temps j'ai filmé beaucoup de choses, j'ai travaillé sur la pochette, le logo était déjà bien entamé. Il y en a deux qui sont vraiment sortis, qui sont sur les deux pochettes. La Bohème, c'est donc dans la maison de campagne de ses parents. C'est très convivial, il n'y a pas de pression du tout, la vie est belle, quoi. J'ai aimé une fleur. Tiens, c'est bizarre, ce mec-là, il est amoureux d'une fleur. Elle m'a appris l'amour. Elle m'a appris les pleurs. Faut juste que toi, tu l'aies pour le départ. Faut que tu saches. Vous faites un décompte, c'est bon. Ouais, un décompte. Non, mais je croyais que tu voulais caler des sons. C'est pour ça. Ouais, il va caler des sons. Il n'y a pas grand-chose. Ça ne bouge pas, ça me prend mon truc. Tu fais ? Je suis en train de faire mes petits comptes de mon petit budget. Tout ça, c'est le 8-10. Hein. C'est pas un audio, c'est bien le 8. Il n'y a pas d'erreur, c'est le 8-10-96, c'était bien le même jour. Bah dans la vie, ça va, je suis retraité, quoi. J'aime bien
bien les chansons, j'aime bien l'accordéon, j'aime bien la musique. Ah si, j'aime bien ça. Oui, c'est une bonne salade verte. Oui. Ils sont pas traités, hein, il n'y a pas de traitement, hein. Il n'y a pas d'engrais ni de... C'est tout du bon fumier, exprès. Le premier morceau que j'ai écrit, le premier texte, c'est Souvenir du futur, qui a été écrit avec Capucine, qui est une fille avec qui je suis restée assez longtemps, qui m'a inspiré d'ailleurs beaucoup de chansons du premier album. Faut que je mette mon spleen à la machine. Faut que je m'assouplisse à la soupline. Mais le monde est rouge et ne se ressemble pas. Souviens-toi de demain, il n'y aura qu'une fois. C'est pas pour hier que demain s'ouvrira. J'ai la mémoire courte, mais le futur ne s'oublie pas. Mathieu voulait vraiment créer un personnage. Lui, il est arrivé tout de suite en me disant... Je vais m'appeler M, j'aurai une coupe de cheveux comme ça, et voilà. En 99, j'ai tourné dans Peut-être, de Clapiche. Et j'avais un rôle, en fait, qui était un fils de bourgeois qui fait une soirée, qui est un réveillon futuriste. Donc, il n'avait pas eu les droits de Star Trek, on devait se déguiser, j'étais censé me déguiser en Spock. Et puis, j'ai commencé à m'amuser avec mes cheveux comme ça, et puis j'ai pensé à M. Et je me suis fait la coupe... de M en fait. Je sais pas comment il fait pour que ça monte sur les côtés et tout, mais faudrait qu'il m'explique quand même. Bah M, il a une coiffure comme ça, non? On voit des grands-mères qui nous disent dans le train « Ah, oh, il faut qu'il change sa coupe de cheveux, lui, c'est pas possible, hein. » J'avais vraiment une idée assez précise, très inspirée de Sgt Pepper au départ, mais j'avais une idée très précise de ce que je voulais. Deux secondes. On est allé au puce, on avait trouvé la première veste à Montreuil, enfin... Le Dax, très important. Vous pouvez me dire quelques mots, monsieur M? C'est la veste du spectacle. Mesdames et messieurs, bienvenue au baptême de monsieur. On est parti de Mathieu, tout nu, en train de manger une pizza. Qui ensuite va pouvoir être habillé avec des petites vestes et des petits cols différents. Le principe, c'était d'avoir une veste en velours, parce qu'il y tenait beaucoup. Et ensuite, avec des propositions de différents cols qui vont aller sur ces velours. Mais j'étais pas du tout convaincu de ce look et de cette façon de... Et puis en fait, il a vraiment bien fait, quoi. Je pense que l'idée d'avoir fait ce personnage un peu délirant, avec cette coiffure hallucinante et tout ça, c'est un peu comme si il enfile son costume de scène. Il y a Mathieu d'un côté et il y a M de l'autre. 20h12, comme quelque chose comme 15 secondes. Ce soir, très simple, comme toutes les semaines, on a un invité, Nicolas Perrac. Je plaisante, c'est Monsieur M. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un chanteur qui se met dans la peau d'un personnage de bande dessinée pour raconter son univers. Je trouve ça plutôt sympathique. On va discuter, on va essayer de te connaître. On m'a dit c'est un mec génial. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une petite chanson? Allez. Hein, une petite chanson. Il va vous chanter une petite chanson, c'est absolument pas prévu, hein, mon œil.